Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas Chronique de Net TV. Merci encore une fois. Merci à vous qui partagez les vidéos. Vous qui avez pris du temps à me visionner jusqu'à la fin. Je ne sais même pas comment vous dire merci. Vous qui avez mis du temps à mettre des likes, des j'aime sur la vidéo. Vous qui avez mis des commentaires. Merci beaucoup. Encore une fois, merci. Et merci à ceux qui m'ont donné la confiance à s'abonner à la chaîne ici du Chronique de Net TV. N'oubliez pas, à mettre des commentaires, des suggestions. La chaîne ici est une chaîne communautaire. C'est pour la famille. Tout le monde a un espace de s'exprimer. Alors, merci encore une fois à vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici. N'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner puisqu'ici, c'est la place des analyses organiques. Maman Ali a paniqué. Hospitalisée à cause de la présence confirmée de la femme de Koffi Olomide, Cindy Lecœur. Les gens pensaient que c'est impossible à Cindy Lecœur de partir d'arriver à France en tant que femme mariée. Vous avez vu la bague, les doigts de Cindy Lecœur. Les doigts de Cindy Lecœur portent la bague de mariage. Moi, j'ai vu ça. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ça. Les qualités de Cindy Lecœur, avant que je détaille beaucoup de choses, les qualités de Cindy Lecœur. Quand on voit Cindy Lecœur sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'elle a du respect envers son mari. Elle avait du respect il y a longtemps, depuis qu'elle a été Cindy. Depuis son commencement dans les quartiers latins jusqu'aujourd'hui, c'est une femme qui ne craque pas. Elle sait qui est Koffi Olomide. Avant qu'elle soit la femme de Koffi Olomide, elle avait pris du temps à étudier Koffi Olomide. Si elle a tendu la main à Koffi Olomide, c'est parce qu'elle a compris, elle sait qui est Koffi Olomide. Le comportement de Cindy Lecœur, la façon dont elle s'exprime devant les médias, vous comprenez qu'elle sait de quoi dire au moment opportun. Quand elle parle de la musique, elle ne mélange pas tout. Elle ne parle que de la musique. Les choses que je vais dire dans la vidéo ici, je vais parler d'abord à Notre-Dame, Maman Alia, l'ex-femme de Koffi Olomide. Aujourd'hui, c'est Cindy Lecœur, le cœur de Koffi Olomide. La femme selon le cœur de Koffi. Maman Alia, vous aviez négligé votre mari. Vous pensez qu'un mari, c'est quelqu'un à laisser comme ça, puisque tu es, je sais pas, métisse, tu es mulâtre, tu vas rester à la maison, tu ne travailles pas, c'est Koffi Olomide qui va se tuer juste pour te nourrir comme ça. Voilà une dame qui sait se débrouiller. Voilà une femme qui sait comment donner quelque chose de plus à son mari. Elle se débrouille aussi dans la vie. Elle chante. Elle fait des concerts. Juste pour supporter son mari. Qu'est-ce que Maman Alia, tu faisais pendant tout ce temps-là? Qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps-là? N'est-ce pas que les gens ont insulté ici Koffi Olomide? Les gens ont balayé notre légende juste pour te faire plaisir. Vous aviez insulté Koffi Olomide du matin au soir. Il y a des chaînes qui sont là juste pour dénigrer la personne de notre légende. Combien de gens ont dit que qu'est-ce que Koffi Olomide va te donner, Cindy? Koffi est rien, il est déjà fini. Mais aujourd'hui, Botikali na Sony, aujourd'hui, Cindy est à Paris. Dans un des meilleurs hôtels de Paris. Très respectueuse, très respectée, pas comme tu, donc comme jamais. La façon dont on fait azako supporter azako dorloter Cindy Lecœur. Bon, t'as là-bas photo kaka na katia avion. Regardez les photos de Cindy Lecœur et Koffi Olomide dans l'avion. Koffi Olomide, c'est un homme libéré il y a longtemps. Il se sent maintenant libre. Les gens qui n'ont pas compris les gestes, les jeux de Koffi Olomide
apprenez à comprendre le monsieur qui sait comment s'exprimer sur les réseaux sociaux, sur tous les médias, sur toutes les plateformes et à télévision. Kofi Olomide, il est exceptionnel. C'est un homme très exceptionnel. Il a compris les médias. Il sait comment qu'on deal na média. Il sait ça. Si kabino batu net mama oyo soki Eliane Nito. O lelo komi wapi? Cindy est à Paris aujourd'hui. Moi, c'est pas Cindy est à Paris. Noko oyo, ma papa noko. Kofi est là, sala si kabilo ko sala ka sala ka wana. Kofi est là. Avec votre le veste là, ba veste batu ya kala papa. Noko, Kofi il est à Paris. Kofi est à Paris, au moins on se parle, il est à Paris. C'est là-bas, j'ai na yo. La fille à Kofi Olomide qui est en train de jouer avec, c'est le sang de Kofi Olomide. Diddy Stone est le sang de Kofi Olomide. L'amour entre Aliyah et Kofi peut finir. Ça va finir, c'est déjà fini. Mais l'amour entre Diddy Stone et Kofi Olomide, c'est un amour infini, un amour éternel, noko. Aujourd'hui, quand on parle de Kofi Olomide, on ne voit pas Aliyah. Aliyah, elle est déjà déboulonnée. Elle est hors série. C'est une dame du passé. Ex-femme, ça veut dire expiration, expirée. C'est femme qui est déjà passée. Aujourd'hui, on parle de Cindy Lecoeur. Une femme qui a un teint impeccable, noir. Nzete Moindo, Cindy Lecoeur. Qui ne parle pas beaucoup. Quand elle. Toi, dans la photo, elle est avec Olia. Quand elle mange comme une star. Quand elle se promène comme une star. Quand elle s'habille comme la femme d'une star. Mais maman, Alia, comme elle est bina bina na ba réseaux sociaux. Maman, Alia, comme elle est na réseaux sociaux. La chose que. Je ne pense pas que Kofi Olomide peut tolérer de telles choses. La dame qui était cachée. Puisque c'est le trésor de Kofi Olomide. Aujourd'hui, elle est devenue une femme des réseaux sociaux, femme des médias. Vous pensez que Kofi Olomide, il va aimer de telles choses? Yango Kofi a kenane na malembe, a bimisi, a longolie, na moulongo ya basinaye. Il y avait une fille qui a toujours été simple, décente, mignonne, attirante, au nom de Cindy Lecoeur. Qui était en train d'étudier la personnalité de Kofi Olomide, la grandeur de Kofi Olomide, la valeur de Kofi Olomide. Malgré que Kofi ait passé par beaucoup de faits, beaucoup de choses, la dame là n'a jamais prononcé des mots difficiles. C'est une femme qui sait comment apaiser, calmer les faits. Kofi Olomide aussi a compris que la dame ici, c'est une dame de fer, une dame qui savent. Qui comprend, une femme qui supporte. Si Kofi a porté ce choix à Cindy Lecoeur, ce n'est pas parce qu'elle est chanteuse, c'est parce qu'elle a la capacité de comprendre la personnalité de Kofi Olomide, notre légende. Et puis, quand vous laissez comme ça, quand tu laisses un monsieur comme ça, quelqu'un aussi veut prendre, va prendre. Maman, elle t'y avait laissé. Tu te croyais, je sais pas comment. Maman Cindy Lecoeur, notre femme, la femme du patron, la femme de notre légende. Et c'est une femme qui travaille. Elle n'a jamais resté à la maison. Elle laissait Kofi Olomide travailler. La femme-là, elle chante, elle fait des concerts juste pour épauler son mari. Mais qu'est-ce que Maman Aliette a fait? Selon ce que les gens disent. Tu restes à la maison toute la journée. Je ne comprends pas. Quelqu'un ne peut pas s'ennuyer dans la maison.